Je dis à nous pas le travail son bah, je pense encore qu'à m'intéresser non pile c'est menu. Ok, je vais montrer nos designs 5 menus. Il n'y a pas un menu complet. Ok. Parce que moi j'ai l'autre bagage pour moi avec le CSS, ce qui sont les responsivités, CSS Flexbox, tout le bagage ça. Mais avant que même je vienne ça, puisque moi déjà dans la couleur, moi sous margin, moi sous pattern, je pense que nous avons assez de bagages quand même pour commencer à essayer de designer un menu. Vous comprenez? Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui là. Ok? Je vais créer un document spécial pour lui, m'appeler lui. Simple. Menu.html. Ok? C'est un simple menu lié, ok? Puis après de là, simple menu. Alright. Le cas toujours fait ça petit, ça m'a profité de faire parce que je ne connais pas la vidéo, ça m'a besoin full screen, ok? Alright. Faut ne pas oublier, faut toujours pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, nous ne pouvons pas nous oublier, ok? Ok. Nous sommes j'aime dire comme ça, lorsque nous mettons un menu, nous toujours mettons les noms tag qui est en grand parenthèse qui est nav, pas vrai? Nav. Ok? Comme ça. Pour nous avoir un nav, ça là, nous sommes j'aime appeler de liste ordonnée, liste non ordonnée, pas vrai? Et maintenant, ça, nous allons utiliser une liste non ordonnée, on a fait UL, ok? Comme ça. Nous sommes capables de faire UL comme ça, il fait table, la bonne lui, ok? Mettons deux tables et tag là, net, nous finis. Ok? Et bien, dans UL là, nous allons ensemble de LI. Ok? Nous mettons seulement 4. Nous avons dit ça, accueil. Puis, est-ce qu'il y a que la bien écrit? Bon, mettre en anglais, mal fait des mal 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 écrit mal fait ouais vous comprenez about donc on a besoin de ça dans le website services et puis contact ok et puis nous c'est nous gagnons ça là ok. Nous allons faire un petit design menu ça là. La menu style tag nous là. Qui ça a fait en premier? Nous allons faire ça qu'on a besoin toujours faire. Nous allons reset tous les paramètres, pas vrai? Padding. Oh my gosh. Zero. Margin 0. Ok, on a voué ma marge là 0 tout. 0. Et puis, on a gagné box. Box sizing là. Ok. La border box. Pas vrai? Et puis, nous savons ouais, niveau nous comme ça. Nous avons un petit point là. Yo là, yo là, sauf que qu'on est. Le fait que nous c'est tout bagaille j'ai entré dans le coin là c'est ça que fait nous pas trop well, ok ça nous va le faire qu'on y a là nous va aller travailler sur nav là nav ça là nous nous bagaille nous va faire avec nous dit comme ça que nav là alright no problem nous voulons que nav là un background qui est la balle là. La 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 red mais le mec qui là comme ça me toujours passer sur à celui mal modifier cette couleur avec et choix ça qui vient ce que ben moi nous on collecte plus qui est attirant on va prendre le background là nous changer propriété background là l'ouvre le en couleur l'ouvre ajouter une propriété dans background on capable mettre image capable mettre couleur mais dans background là on mettre en couleur ok.
Qui ça qui me balle encore? Je vais mettre espace là. Ok? Ça me balle encore. En dedans, même là, bah, ça me garde à profiter de texte couleur. C'est toujours en dedans. Ok, je me garde à dire color. Il n'y a pas de problème. Hein? Color. White. Il y a tout texte qui a une couleur. Blanc, ok? Ok, quand y a pour navbar là, on fait un petit campé là. Quand y a pour aller pour UL là, m'a fait navbar UL, le changer ça. Nested selector et ça me fait là, ok? Et m'a dit comme ça que on veut pour UL là, il y a une liste. On va mettre un petit bal avant. Avant même UL là. Parce que si pour un bleu, well, j'ai une façon capable de faire un petit point. C'est vraiment LI avant. Je fais nav UL LI. Et puis je me dis comme ça que display and line. Je me dis que display bloc là, il y a une sous l'autre. Je vais faire display and line. Je vais faire une vue horizontale. Ok? Et voilà. Bon, moi là, je devais faire un petit point. Moi, petit point, je ne peux pas être. Ok, mais ça passe. Pour aller, il faut petit point aller. Regardez là. Il y a aller là. Ok, je ne peux pas vraiment ça qui fait l'aller, mais l'aller. Je vais essayer de commenter ça tout. L'aller là, ça qui fait l'aller. Ok, moi, je ne peux pas faire avec nous tout. Ça me va faire avec nous, c'est que en dedans, elle a ça, je me suppose que ça a lié en link. Je vais retirer ça pour nous. Parce que c'est le menu qui a un lien dedans, pas vrai? Je vais avoir un link, pas vrai? Il va pas aller de côté, je vais me code ça. Est-ce que nous ça me fait? Je mets dedans, tag là, et je vais aller là. Ça veut dire en deux éléments, capable de l'autre élément encore. Je vais me faire la montée nous. Voilà, elle a. Ok? Nous allons espace en dedans la bagarre et nous allons mettre un tag I qui signifie link là. A tag. Ok. Et nous allons mettre un href. Href. Dièse qui ça veut dire que nous allons mettre un tag I. About. Ok. Pour m'économiser, je vais vous voyez ça en haut. Je vais en bas. La mettre. Services, ok. Ah, mettez contact. Ok. Et puis, ma fonti vous ça puis l'autre bout. Et voilà. Ok. Là, il y a un chacun de l'autre, il faut le faire, il faut le faire dans l'autre genre. Parce que c'est lien, il y a un lien, ok? Et puis, on peut que l'on dit comment tu es parti ça, il n'y a pas de changer, non? C'est ça, la bine comme ça, certes. Mais, l'on change ça, comment tu es ça, on peut pas prendre couleur, c'est le background là, là-bas. Ça, que l'on va prendre couleur là, c'est parce que. Et il tag là, si on tag spécial lié, c'est là dans directement pour aller pour appliquer couleur là, ok? Ok, donc on a retiré là, ok? Et voilà. Mais ça que nous avons balé, nous avons balé ça là, un padding qui vous crée une sorte de, après là, être coincé. Nous avons balé ça que nous avons padding pour nous capable de faire espace à plus large. Nous avons balé un padding 2. 20 pixels. Parce qu'on a vu le bon plus espace, pas vrai? Ok. On a mis un L là, on a fini de display en live. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? On a pas le bali en padding là, oui. Même pas le bali padding là, parce que mon bagage, on va le faire, c'est pas la même bali. Ok? Ça, qu'on va le faire, qu'on a fait nav là, VUL là, LI là.
et puis A-tag là, ça fait me dire ça, c'est parce que ouais, A-tag là, c'est en dedans LLI. Ou quand ça fait me faire, ça me dit qu'à juste faire, prendre le compte ça là, il tape marché, mais on dit qu'il y a plusieurs A-tag en dedans page là. Faut qu'à toi, pour dire qui côté A-tag là, parce que c'est pas vrai, s'il va gagner classe, s'il va gagner ID. Faut qu'on fasse pour identifier, c'est comme ça pour identifier. Nav, UL, LI, A-tag, et voilà. You know back and I'm doing some text decoration now. Mais ça avec text decoration là. Text decoration là c'est ça soit passe en balle là, OK? Moi je veux voir l'an. OK? Veux voir lui l'an. Alors que l'aime fait ça la petite petit bar qui est en balle là. Mais en même temps tout va monter un petit bagage. Bon, si je marque ça, je fais deux points là. Je vais avoir des couleurs. Je vais avoir des decorations en couleur comme ça. Tout. Bon, si. Ah non, il va marcher. Même le vieux scroll proposé, il va marcher. Mais ça me veut le nom parce que je ne vais pas le perdre en balle. Okay? Voilà. Avec tout, on va faire une balle pour changer de couleur. Parce que là, ce sont des liens. Oui. C'est link que oui, là, ok. Pour changer de couleur là, je vais toujours faire un petit bagage là. Color white et puis blanc là, ok. Qui ça qui me mettre là encore? Moi je vais mettre créer un espace en home là avec la service avec tout ça pour me faire ça. Ma balle en padding, ça veut dire et comme si en dedans et élément home là, je voulais créer un espace, je voulais aménager espace pour me faire ça. On dit padding 10 pixels. Voilà, il est écarté de l'autre, pas vrai? Ok. Qui ça qui a fait encore qu'on y a là? Nous allons utiliser ça à hover state, pas vrai? Nous changer hover. Moi, je veux que chaque fois que je passe sur lui, il y a un petit background qui fait sous ça là, qui faut sentir côté cliquer sur lui. Quand je passe sur lui, c'est nav, UL, LI, A, 2 points, hover. Et puis, ça m'a dit là, je vais dire ça que je voulais pour background shotgun A ça yo. Je vais mettre une couleur red tout, mais red là, mon petit Jean. On va mettre mon petit Jean, je vais faire mon petit Jean plus foncé. Comme ça. Je vais hover sur lui, voilà. Et puis, je voulais tout pour le padding tout. Padding que la gagne. Le 10 pixels. Ok? Est-ce que je mets ça que là? Kounya là, ça me guide à faire encore. Si je parle de ça qui me mette là, on essaie de là pour mon bagage. Non, il va marcher. Ok? On a quitté lui. Ok, nous allons. Ok. Qu'est-ce que nous faisons encore? Les font petit bagage toujours là, ça m'a vu faire encore, c'est que il y a des bagages beaucoup faire avec nous, on va entrer là dans le cougna, vous comprenez? C'est ça que fait beaucoup faire, on va entrer là dans le cougna. All right, you know back in a fait dans avoir on a fait ça hier overflow. Hidden. Overflow hidden signifie que si on va qui trop pour container pour pas sortir dehors pour le jeter dans le container, vous comprenez? M'a voyer le hidden. OK? OK? C'est OK. On fait petit jeu toujours avec padding ça là. On dit 20 pixels. OK, les plus belles comme ça ça me passe. 20 pixels là, c'est en haut. Ça peut toujours 10 pixels. Ok. Mais ça me fait là. L'aime 10 20 pixels là. Nous sommes nav bar là. Côté li. Li te gen yon padding de 20 pixels. Padding de 20 pixels là, ça dit espace qui vient créer là. Li de hauteur de 20 pixels. En haut avec en bas. Ok. À gauche avec à droite, tout 20 pixels. Ok. Surtout en haut avec en bas. Kounya là. Le kounya parce que elle ça ou pas ouais tag ça licence invisible c'est A tag là ouais et c'est lien là qui est en action là, ok.
Kou nya lè m di kon sa ke, depi la m di kon sa ke m ba m pa den de 10 piksel. M de gen da sol m ba li 20 piksel la. E pi m ba bezen fè sa la anko. Ok? E kon sa lè m pase sa sou li pi normal. Ou konpon? Kou nya sa m fè kou nya la m di ke, el, dizon, 8 tag la ki se lèk la, m wè toujou ba lè m pa den de 20 piksel, ka pote l'espace sa net. E sou yon konpon? Ba m wè ti hover m ka m wè ti sa m di nan. Mwen komante hover pa gen. Mwen komante hover pa gen hover anko. La, gen yon espas toujou. An dan e a tou, mwen kon yon espas de 20 piksel. Sa yon fè ke li vin egal avèk paden sa ke mte kri an dan ava ki se 20 piksel. Sa yon di ke li menm gosè avèl. Sa yon di son lot kouch ki an dan ki elaj ki menm gosè. Ou kompon? E kom si la ou gen yon bagay. Comme tu as dit, une couverture, on met notre couverture sous lien encore, mais couverture à même largeur, il fait que couverture qui est en bas par elle. Ok? C'est même ça me fait là. Voilà, ok? Donc, si toutefois que je me dévoue les 10 pixels, je me save, là par exemple, je vais commenter ça. Attends. Là, je vais commenter ça. Ouais, je vais toucher ça, you move. Et on commence à faire là, il move. Et encore, si je me dis que je vais voir 10 pixels, je vais voir ce qui va passer. Ouais, j'ai enlevé une petite là, ça veut dire que ouais, quand c'est 10 pixels qui est espace ça là, tout ça qui est assez reste 10 pixels là, qui est en bas là, qui est en total là, qui c'est 20 pixels là, c'est reste dans 20 en gré. Mais si vous voyez le 20, si depuis en l'air là, vous voyez pas d'un A là, 20 pixels, vous n'avez pas de difficulté. Si vous voyez l'eau passer là, toujours elle comme ça, vous voyez, j'en ai barré. Donc, obligé tout voyer le hover sur le pour gagner, on parle de 20 pixels, tout ça, puis on va passer sur la souris, il est très nice comme ça, très belle. Ok? Donc, dans la vidéo, ça l'a montré, nous avons créé un menu. Il n'y a pas un menu qui est complet, mais là, avec tout ça que nous avons connu, là, nous avons au moins créé un menu. Là. Nous avons le couleur de là, nous avons le passer sur la souris, le petit comportement. Ok? Nous avons fait notre bagage. Nous avons dit, le passer sur la souris, pour font size a changé tout font size là pour passer à 20 pixels ouais l'aime passer sur la souris j'ai mis aussi vous voyez les gars va faire n'importe ça nous les avec ok on bouge là 15 secondes on passe à quitter ok pas mal hein? Ok. Bon, moi j'espère que vous avez appris la vidéo ça. D'accord? Merci à la prochaine.